demain c'est le lancement officiel de Maison Morphin. Donc du coup là je veux tout finir. J'ai reçu des bracelets cuir par milliers. On a reçu plein de colis. Là normalement je pense qu'on devrait avoir tous les remontoirs. Ça y est, elle est en ligne. Là je lance officiellement Maison Morphin. Ok les gars, petit colis de chez STP, mon fournisseur de mécanismes suisse. Je vais le recevoir ce matin et on va unboxer tout ça. Ça va être des masses oscillantes, donc les rotors, ce qui va être à l'arrière du mécanisme. Ça se présente comme ceci, tu vois. Donc il y a deux sortes de masses différentes. Il y a le STP1-21 et le STP6-21. Et du coup, chacune a sa masse oscillante différente. Voilà, tu vois, avec les petits détails, il y a le WM, les 26G Wales, le Swiss Movement. Et surtout le petit WM. Yes les gars, est-ce que ça se voit que je suis... Waouh, méga excité. Les gars, j'ai reçu. Je suis allé chercher surtout aujourd'hui les petites pépitas. Je te les montre brièvement, regarde. Du vert, du black and gold, du bleu. Et j'ai récupéré la silver gold. Aujourd'hui, je suis allé chez mon horloger récupérer tout ça. Je suis hyper hypé. Je suis en train de retoucher les photos produits. Tu vois, là, je suis en train de nettoyer tout ça. J'ai retouché tous les items du package. Enfin, j'ai pas fini. Hein. Ça va être ma mission là pendant les quelques prochaine minute, et l'idée ce soir c'est de torcher le max du max, finir toutes les photos produits, shooter toutes les vidéos et photos de ces montres là, pouvoir les publier sur le site. Et demain c'est le lancement officiel de Maison Morphin, donc du coup là je veux tout finir, et je pense que je vais quasiment pas dormir pour que demain dimanche 1er octobre tout soit en ligne, on lance Maison Morphin. Donc je shoote ça, je te montre un petit peu ça, je mets mon casque, cross techno, c'est parti. Ok les gars, du coup j'ai fini de retoucher toutes les photos. Je viens de les mettre sur le site internet comme tu peux voir juste ici. En gros là il y a tous les accessoires. Et là je suis en train de voir du coup faire un petit check de toutes les photos qu'il y a, si tout est cohérent. Donc tu vois là je suis en train de faire ça, et là je vais remplacer tu vois ces photos qui sont assez redondantes que j'avais récupérées de Olympe Luxury. Aujourd'hui du coup chez mon horloger vu qu'il m'a assemblé les montres, j'en ai profité du coup pour faire des photos. Donc là je vais les prendre de la carte SD avec laquelle je suis en train de filmer, et je vais faire les retouches et alimenter encore un peu le site. Ça charbonne, toujours avec le casque. Et après, je me mets aux photos, produits et vidéos produits. Let's go. Ok les gars, bon, les cernes commencent un petit peu à arriver. Il est 1h21 du matin, je viens de terminer le site internet. Là, je l'ai mis à jour avec toutes mes dernières photos, que ce soit au niveau du packaging, au niveau des photos que j'ai faites aujourd'hui chez mon horloger. Tu vois, c'est des photos que j'ai faites aujourd'hui pendant qu'il assemblait les premiers exemplaires qui sont tout là-bas. Donc maintenant, je vais attaquer les photos produits. Je vais enfin shooter ces jolies bébêtes comme tu peux voir ici. Regarde, là, t'as la dorée. Là, t'as la petite bleue, elle est incroyable en bleu. T'as la verte aussi, elle est incroyable, regarde ça, insane. Et puis la petite squelette aussi en black and gold, elle qui va partir en 2 secondes, je le sais. Je vais faire ça, je vais faire quelques vidéos aussi. Donc les gars, je m'y attelle parce que la nuit va être très longue. Je commence vraiment un peu à fatiguer, hein. Je me suis mis la musique à fond, mais je crois que ça suffit plus. Donc allez, let's go, avant que je m'endorme. Ok les gars, bon, terminé pour ce soir, il est 3h30 du mat. Je commence un peu à perdre la motive pour le coup, j'ai beau mettre de la musique, etc. Mais je pense qu'il faut que j'aille prendre un peu quelques heures de sommeil, ça me fera pas de mal que je coupe un peu. Ça fait 6h maintenant que je bosse d'affilée, donc ça commence un peu à faire. Donc je vais aller me coucher, demain on est dimanche, je vais essayer de me lever quand même pas trop tard pour continuer tout ça et espérer pouvoir lancer ça le soir. Qu'à 18h, je balance un TikTok, éventuellement faire un live, etc. pour annoncer le lancement officiel des précommandes pour Maison Morphin. J'ai quand même bien taffé, tu vois. Là, t'as mon petit setup vraiment, vraiment cool. Je suis satisfait, je go me coucher et je reprends le tout demain. Ok les gars, lundi 2 octobre, c'est aujourd'hui qu'on lance Maison Morphin. Je suis en train de faire les calculs depuis tout à l'heure, j'en peux plus, tu as de toutes les options. Donc tu vois, faut que tu calcules ici si la personne prend l'extension de garantie 12 mois avec la gravure et le livret. Ici, s'il prend plutôt la 24 mois avec la gravure et le livret. Donc tu vois, t'as plein de calculs à faire. Pour chaque page produit, c'est un peu un enfer. Le site internet là est quasiment à 99% prêt. J'ai fait toutes les photos produits hier soir, je suis couché à 2h30. Avant d'hier, je suis couché à 4h du mat. Mais tu vois, on a des photos de tous les coloris. C'est plutôt cool. Donc le site est sur le point d'être lancé. Je vais essayer de faire un petit montage TikTok. Donc tu vois, j'ai lancé mon petit logiciel, j'envoie la sauce à 18h parce que là il est quasiment 16h, faut que je me bouge pour officialiser ce lancement. Donc allez, je m'attelle à ça, c'est pas très passionnant mais c'est pas grave. Après, let's go, montage YouTube, TikTok, on balance de partout et en espérant que ça fasse des millions de ventes. Allez, let's go. Ça y est, la vidéo est en ligne, regarde, bam, si j'actualise,
Hop, elle vient juste d'apparaître ici. Elle fait 1 minute 30. J'ai essayé de faire du storytelling. J'ai fait tout ce que je pouvais. Ça y est, elle est en ligne. Là, je lance officiellement Maison Mortin, les gars. Ça y est, le site est juste ici. Il n'y a plus qu'à. Espérons que la vidéo fasse des vues, que les gens la voient, parce que j'ai vraiment tout donné. Comme je disais dans la vidéo, ça fait un an que je prépare ça. Tout est en ligne, tout est dispo. La vidéo est sur TikTok. On va voir si ça prend. J'ai hâte de voir les réactions des gens qui visitent le site internet. Tu vois, parce que cet internet, il est fourni de chez fourni. Hein. J'ai fait tout ce que je pouvais. Il est vraiment, vraiment bien. Ça fait 3 jours que je suis enfermé ici, dans ce poste de travail, les gars, où je sors pas. Hier, je suis couché à 3h du matin, avant-hier, 4h et quelques. J'en peux plus, donc voilà, c'est lancé, les gars. On va voir si ça prend. Je suis assez content, je suis assez fier. Y'a plus qu'à, les gars. Dimanche 8 octobre, les gars, aujourd'hui, je vois mon partenaire Select Auto Sud, enfin, un des employés qui s'appelle Julien. Pour la petite histoire, d'ailleurs, si je suis en partenariat aujourd'hui avec Select Auto Sud, qui revend du coup les montres de ma marque, s'il a pas suivi, il y a une concession de voiture de luxe, à Roquevert dans le Sud, qui revend les montres de ma marque. C'est grâce à Julien, qui était à la base un de mes clients en décembre 2021. Et puis en fait, au final, il a fait son alternance chez Select Auto. Il a parlé un petit peu de ma marque à son gérant qui s'appelle Vincent, qui est une personne formidable et qui était très ouvert à l'horlogerie, etc., aux nouvelles marques novatrices. Et c'était comme ça, de fil en aiguille, qu'on a fait en fait le partenariat et que maintenant, on a mes montres sont proposées directement en showroom chez Select. Aujourd'hui, je mange avec lui, je vais lui montrer les nouvelles Maison Mortin. On va manger un petit peu, il va me parler un peu de 2-3 projets, donc ça va être cool. Donc je l'attends, on va aller manger ensemble à midi, négocier un petit peu tout ça, parler un peu des maisons enfin, de la suite, etc. Et de des projets également Select Auto. Donc voilà, je te ferai une petite vidéo quand il sera arrivé, il devrait pas trop tarder. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Julien, il est vraiment trop beau. Qu'est-ce que tu penses des nouvelles montres Maison Mortin? En vrai, elles sont vraiment incroyables chacal. J'avoue qu'elles sont belles, de vraies pépites. Bon les gars, du coup, on est en train de faire le réassort, tu vois, de montres. Du coup là, en fait, chez Select Auto, donc mon partenaire de concession de voitures de luxe dans le sud, vont avoir les Olympe fond plein, donc celle-ci, et puis tous les autres coloris. Donc si jamais tu veux l'avoir de tes yeux, n'hésite pas à aller voir, tu vois, Select Auto, je te mets le petit doc ici. N'hésite pas à aller voir si tu veux une Olympe, si tu veux la tester en vrai, si tu veux des très belles voitures. Et il reste également une Black All Black. Donc celle-ci, c'est la Black Hole, celle que tout le monde voulait, celle qui est juste ici. Donc là, elle est équipée d'un bracelet en cuir, parce que c'est moi qui l'ai mis comme ça, mais de base, il y a le bracelet acier. Donc n'hésite pas à aller voir Julien, juste ici. Il sera très heureux de te montrer les Black Hole, les nouvelles Olympe qui sont maintenant dispo chez eux, et d'autres modèles. Et évidemment, les Maisons Mortin qui arriveront plus tard. Bon les gars, commande enfin prête, je vais l'expédier parce que oui, tous les jours on fait des commandes. Donc là c'était une Olympe Gold, il reste plus beaucoup. Si jamais tu veux prendre une Olympe Gold, n'hésite pas, olympluxury.fr. C'est vrai que j'ai lancé Maison Mortin, mais olympluxury.fr perdure toujours. Il reste encore un petit peu de stock, donc si tu veux des modèles un peu collector, les derniers olympluxury, n'hésite pas. Je te fais un petit update sur ce que j'ai reçu cette semaine. J'ai reçu des bracelets cuir par milliers. J'ai pris de pas mal de couleurs. J'ai pris du noir, bon bah classique. J'ai pris du marron, j'ai pris du bleu et du vert. Pourquoi bleu et vert? Parce que tu vois par exemple ici, on a une superbe MM23-02 avec le cadran bleu. Et du coup, bah, j'ai pris du bleu qui va avec et j'ai pris de l'imitation crocodile. Je trouvais ça vraiment cool. Et ce que je trouve bien, c'est que c'est ultra fin. Sur mes anciens bracelets cuir, c'était un petit peu rembourré. Et moi, je voulais vraiment voilà, quelque chose de très fin avec un beau vernis. C'est du cousu main. Donc, vraiment, vraiment quali. Je les paye 3 fois plus cher que les anciens. C'est pour te dire à quel point c'est vraiment quali en termes de revêtement. Et j'ai reçu ce matin du bracelet crocodile, du vrai. Donc, ça, c'était du cuir de vache, imitation crocodile. Là, c'est du vrai crocodile. Donc, elles sont vraiment sympas. Elles sont floquées derrière, cousu main aussi parce qu'elles sont toutes fait main. Et pareil en termes de coloris. J'ai pris du marron, j'ai pris du bleu, j'ai pris du noir. Il y a les petits outils également qui sont fournis avec. Et j'ai fait aussi, enfin j'ai lancé en production cette semaine, des petites pochettes avec Maison Mortin de ce style-là. C'est le même fournisseur qui me les a fait. Il y aura Maison Mortin un peu plus petit et ça permettra simplement de glisser le petit bracelet cuir avec l'outil. Et comme ça, il y a une petite expérience d'ouverture. Donc ça, plutôt cool. Et qu'est-ce que j'ai reçu ce matin? J'ai reçu également les mousses. Regarde, je te montre ici. Les mousses comme ça, qui n'allaient pas jusqu'à maintenant. Si tu te rappelles bien, si tu as regardé les vlogs précédents, ça, c'est les mousses qui vont dans ces fabuleuses boîtes Maison Mortin. Et vu que j'avais rajouté dans le petit écran à bouton de manchette présent juste ici, la pince à cravate, ça ne rentrait plus. Donc j'ai refait faire les mousses et le voici, le voilà. Hop.
tout rentre dedans. Donc ça c'est plutôt cool, c'est ce qui posait problème, c'était ça. Là tu vois, ça rentre parfaitement. J'ai fait une petite ouverture pour attraper qui sert de porte-carte de garantie. Donc là on a vraiment un coffret qui est parfait, assez content, mine de rien. Donc il n'y a plus qu'à faire maintenant le changement dans chacune des boîtes de la mousse, parce que du coup j'ai trois cartons remplis de mousse. Il faut enlever l'ancien pour en mettre le nouveau. Mais plutôt cool, on a vraiment un packaging maintenant qui est terminé, je suis très content. Au final voilà, c'est ce que je voulais, c'est que t'es une boîte, tout le packaging ne se balade plus dans un sac. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais aller expédier ce fabuleux colis parce que les clients ont l'impulsurie, sont livrés en 24 heures, enfin du moins la commande est expédiée en 24 heures. Donc je vais emmener ça à la poste, on va se remettre à travailler. Ok les gars, on a reçu plein de colis. Là normalement je pense qu'on devrait avoir tous les remontoirs. Donc on va unboxer ça, c'est disponible sur la boutique maisonmorphin.com. Il y a déjà des clients qui ont commandé des remontoirs, même pas forcément de montre, mais juste le remontoir. Le remontoir pour info, ça permet à la montre automatique, quand tu la poses, qu'elle continue de tourner et elle reste toujours à l'heure. Hop, comme tu peux voir, c'est soigneusement emballé. Je sais pas comment je vais sortir ça. Ok, donc le premier, sachant qu'il y a trois modèles, il y en a un qui permet de faire tourner 8 montres, d'autres qui me permettent de faire tourner 6 montres, mais il y a 10 slots en bas pour ranger les montres, et un petit qui fait 2 slots avec 3 petites places en bas pour stocker aussi les montres. Alors comment je vais ouvrir ça, c'est une bonne question. Je vais m'équiper les gars et je vais faire sauter tout ça. Le voici, le voilà. Ça, c'est un des plus gros que je propose. De toute façon, à mon avis, celui-là, je vais me le garder pour moi. Je suis à mon propre client. N'est-il pas beau? Moi, je trouve qu'il est très beau. Alors, ça s'ouvre par là. Et là, on a le petit double M ici, pour Maison Morphin. On a de quoi ranger donc 6 montres et 10 ici. Tu vois du coup devant les 6 montres qui vont tourner. La petite fermeture ici, le double M en bas aussi. Franchement, je suis très content. Ça, c'est le premier. Il y en a encore deux autres. Et là on a le 2 slots les gars. Et là on peut mettre 3 montres du coup en bas. Et c'est une imitation carbone un peu sympathique, le petit logo MM au fond. Ça c'est les mêmes que j'ai déjà chez moi, que je proposais déjà avant. Et on a du coup accès aux 8 slots